I give you the floor. Thank you very much. And I want to welcome everybody to the side event addressing the non-take-up of rights in the context of social protection. First, I want to thank the co-organizers of the side event, the Permanent Mission of France to the United Nations in Geneva, the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, and the ATD Fourth World. I also would like to thank the co-sponsors, Senegal, Belgium, Romania, the Philippines. And specifically, I'd like to thank all of you for joining us here today. I know everyone has a tremendously busy schedule. This participation is a specific indication of how you want to bring about positive human rights change in our world. If you allow me, I'm going to give a quick introduction of the speakers today, and then I'll set up a little bit the ground rules for the side event. The first speaker will be Her Excellency Ms. Delphine Bourdillon, the French Ambassador for Human Rights. She will speak in French. The second intervention is His Excellency Mr. Kole Sek, and he's the Ambassador and Permanent Representative of Senegal to the United Nations. The third intervention will be Professor Olivier de Schutter, and he is the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. He will speak in English. The next group of interveners is Ms. Cécile Rio-Baptista and Ms. Orphelie Marel, both of them from the French National Consultative Commission for Human Rights. The first, Cécile, being the Deputy Secretary General, and the second, Orphelie, the legal advisor. Fifth, and very importantly, we're joined by colleagues from ATD Fourth World, from DRC, from the Democratic Republic of Congo. The three people who will intervene are Mr. César Pierre, Ms. Philomène Kasigé, and Mr. Saleh Abessi. So I just wanted to have everyone understand the ground rules. The first three speakers have 8 minutes. Then the two speakers from the French National Consultative Commission for Human Rights will share 10 minutes. And then the three speakers from ATD Fourth World from DRC will also share 10 minutes. Please accept my apologies in advance. If you run over a little than time, I will interrupt you just to say, please wrap up so we'll have enough time for questions. For those of you participants, as you have questions, post them to the chat, and then we'll process them at the end of the interventions in order to create dialogue based upon what you've put in the chat. Okay, so without further ado, I think we'll move to our first intervention. Her Excellency Ms. Delphine Bourdillon, the French Ambassador for Human Rights. Ambassador. Merci beaucoup et je tiens vraiment à remercier chaleureusement le rapporteur spécial, cher Olivier de Schutter, ainsi que les membres d'ATD Quart Monde et du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme pour avoir pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui avec l'ambassadeur du Sénégal, cher Kole Sek, et les membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, nous sommes au beau milieu d'une session particulièrement dense du Conseil des droits de l'homme et j'étais heureuse d'y être en début de semaine. Et je suis très heureuse que nous prenions ensemble le temps d'aborder un sujet qui me tient à cœur, celui de la lutte contre l'extrême pauvreté et de la préservation des droits de l'homme, et qui s'inscrit plus largement dans le combat en faveur de l'universalisation de la protection sociale. Et pour la petite histoire,
ce sujet n'est pas nouveau pour moi. En 2007, j'étais au cabinet du président de la République, Jacques Chirac, et j'ai organisé pour lui la dernière grande conférence qu'il a organisée de son mandat, et c'était précisément sur l'universalisation de la protection sociale, donc en mars 2007. Et comme vous le savez, la France fait elle-même office de pionnière en matière de sécurité sociale. Il y a près de 70 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la Résistance nous a légué les principes fondamentaux, celui de l'universalité et de l'unité. La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toute circonstance, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. C'est un texte donc de 1944. Dans un contexte autrement plus dramatique, nous osions parler d'une garantie donnée en toutes circonstances. Donc, dès son origine, la sécurité sociale française plaçait très haut ses exigences sur le terrain des valeurs et du droit. En fond de cette histoire, la France n'a cessé de soutenir le renforcement de la mobilisation internationale en faveur de l'accès universel à la protection sociale. Il s'agit, certes, d'une mesure de réponse immédiate à la crise économique et sociale provoquée par la pandémie de la COVID-19. Mais il s'agit surtout d'un impératif pour nous permettre de renforcer à plus long terme la résilience des sociétés face au choc. Et si de nombreuses initiatives existent pour réaliser cet idéal, force est de constater que cet idéal de l'accès universel à la protection sociale n'a pas encore été atteint et encore loin de l'être. En effet, avant la pandémie de la COVID-19, seuls 29% de la population mondiale bénéficiait d'un régime de sécurité sociale complet, selon la définition reconnue par l'Organisation internationale du travail dans sa recommandation 202 adoptée en 2012. 55%, soit plus de 4 milliards d'individus, vivaient sans aucune forme de protection sociale et bien sûr avec de fortes disparités régionales. Les causes en sont multiples, prédominance de l'économie informelle dans de nombreux pays, manque de volonté politique, manque de financement, capacité insuffisante des services publics à assurer la mise en œuvre des régimes de protection sociaux. Dans votre rapport présenté cette année devant le Conseil des droits de l'homme, vous mettez en lumière un phénomène particulier qui explique que de nombreuses personnes qui devraient d'ores et déjà bénéficier d'un régime de protection sociale n'y ont pas d'accès, le phénomène du non-recours. Il explique en partie pourquoi au sein des pays où l'État a pu mettre un régime de protection parfois très complet, certaines catégories de population, souvent les plus isolées, n'en bénéficient pas. Qu'elles restent hors des radars, soit en raison de stigmatisation, de l'isolement, de la corruption, ou qu'elles y renoncent par découragement ou manque d'information à avoir recours à une couverture sociale. Il est donc frappant de constater qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ne bénéficient pas de l'aide qui leur est destinée. Et votre rapport, monsieur le rapporteur, le montre, c'est le cas en Europe et c'est aussi le cas en France. Madame, voilà, c'est bon. Oui, on écoute. Très bien. Nous devons mener de front les deux combats de l'universalisation géographique de la protection sociale partout dans le monde et de son universalisation sociale. S'assurer que personne ne reste à l'écart là où une protection leur est promise. Et il en va de l'efficacité comme de la légitimité de la protection, de la sécurité sociale. Il en va également de l'efficacité de la dépense publique et donc de la légitimité de l'État, dont nous observons, y compris dans nos sociétés européennes, qu'elle est de plus en plus remise en cause. Pour ce faire, vous identifiez des pistes d'action. Renforcer la communication ciblée à l'égard des bénéficiaires les plus isolés, rapprocher les services publics des populations sur tous les territoires, lutter contre la fracture numérique. La France est elle-même dotée d'outils en ce sens, avec l'adoption en 2018 d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui prévoit en outre la mise en place de territoires zéro non-recours. Je voudrais souligner un autre phénomène préoccupant. Nous savons aujourd'hui
que les femmes sont tenues à l'égard des systèmes de protection sociale de façon disproportionnée. C'est en partie le cas parce que les femmes sont encore surreprésentées dans les emplois du secteur informel, peu ou pas couverts par les régimes de protection sociale. C'est aussi le cas parce qu'elles sont trop souvent encore les premières à quitter leur emploi et les protections qui les accompagnent lors d'une naissance, parce qu'elles sont en moyenne davantage privées de l'accès à l'emploi ou parce qu'elles sont plus isolées. C'est également le cas parce que certains régimes de protection sociale ne sont pas suffisamment adaptés à leurs besoins spécifiques, par exemple dans la prise en charge des violences liées au genre ou parce qu'elles continuent de subir des stéréotypes relatifs au genre. L'accès équitable à une protection sociale entre les femmes et les hommes a donc un impact significatif sur l'autonomisation et les opportunités des femmes et des filles, et plus largement, cela bénéficie à la population tout entière. Il est donc essentiel de s'assurer que les systèmes de protection sociale intègrent cette dimension de genre et servent de levier à l'émancipation économique des femmes. Nous devons également veiller à ce que ce programme de protection sociale intègre les approches de prévention et de lutte contre les violences liées au genre. Et vous le savez, la France le répète souvent, l'égalité de genre est une de nos priorités diplomatiques de notre diplomatie féministe. D'ici 2025, 75% des volumes annuels d'engagement de l'aide publique au développement bilatéral programme française aura pour objectif principal ou significatif l'égalité entre les femmes et les hommes. Et de nombreux projets mis en place par l'Agence française de développement s'inscrivent déjà dans cette dynamique. Je pense par exemple au fonds français Muskoka, créé en 2010, dont l'objectif est d'améliorer la santé des femmes, nouveau-nés, enfants et adolescents en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cet engagement, nous entendons le mener à vos côtés, monsieur le rapporteur spécial, ici aux Nations Unies, mais également sur le terrain et aux côtés de la société civile. Le rôle de la société civile est en effet particulièrement crucial. L'universalisation de la sécurité sociale et la lutte contre les inégalités de genre est un processus au long cours en faveur duquel nous travaillons encore chaque jour en France, avec l'ensemble des acteurs et en particulier avec les assurés. Car c'est ainsi que la sécurité sociale a été conçue en France, en confiant sa gestion aux représentants des assurés plutôt qu'à l'État. Nous poursuivrons avec vous ce combat essentiel, car face à l'exclusion et alors que les liens traditionnels de solidarité se distendent souvent parmi les sociétés, l'universalisation de la sécurité sociale apparaît comme le dernier rempart contre ce qui pourrait être un dramatique recul de civilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you, Ambassador. I'll now pass the floor to His Excellency, Mr. Kole Sek, the Ambassador, Permanent Representative of Senegal to the United Nations in Geneva. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Modérateur, cher Todd. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la mission française ainsi que l'ONG ATD Quart Monde pour l'organisation de cet événement et féliciter les panélistes et tous qui vont prendre la parole aujourd'hui pour leurs interventions. Mes remerciements vont également à l'endroit du rapporteur spécial, Monsieur Olivier de Schutter, dont mon pays soutient le mandat. Je salue la participation de son Excellence Madame Delphine Borion et la remercie pour son intervention. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est assez révélateur du niveau élevé de non-recours aux droits observés et pourrait s'expliquer notamment par la complexité des démarches qui peuvent décourager certaines personnes éligibles. Toutefois, si d'autres ignorent faute d'information, la plupart des ayants droit potentiels refusent tout simplement d'y faire recours car l'estimant inutile parfois. Fidèle à sa mission de vulgarisation, de promotion, de protection et de réalisation des droits humains, l'Association des juristes sénégalaises, en plus des boutiques de droit,
organise régulièrement des journées d'assistance judiciaire gratuite aux justiciables démunis. L'objectif est de contribuer à une meilleure accessibilité de la justice de proximité, notamment pour les plus démunis et surtout les femmes en situation de vulnérabilité. Le médiateur de la République joue également un rôle important pour faire face au non-recours et aider les citoyens à faire prévaloir leurs droits. Aussi, comme cela a été proclamé dans l'agenda 2030 pour un développement durable, seule une approche du développement fondée sur un respect des droits peut permettre de bâtir des sociétés inclusives, justes et résilientes, ne laissant personne de côté. En matière de protection sociale, le gouvernement sénégalais qui est d'avis que les couches vulnérables ont besoin de politiques et de programmes supplémentaires pour les aider à s'adapter, a mis en place un programme de résilience économique et sociale visant à soutenir les personnes les plus démunies. C'est ainsi que divers programmes ont été mis en place, dont notamment la couverture maladie universelle, le programme d'urgence de développement communautaire et le programme national de bourse de sécurité familiale. Il s'agit d'un investissement prioritaire dans la construction d'un Sénégal solidaire et prospère qui ne laisse personne de côté. Il vise à lutter contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles à travers une protection sociale intégrée en vue de favoriser leur accès aux services sociaux et de renforcer, entre autres, leur capacité éducative, productive et technique. De plus, notre pays met également en œuvre le plan Sésame qui soutient le vieillissement et qui constitue un défi, surtout pour les pays économiquement faibles. On note également la loi d'orientation sociale relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, qui institue la carte d'égalité des chances, qui confère à son titulaire des droits et avantages en matière d'accès aux soins de santé, de réadaptation, d'aide technique financière, d'éducation, de formation, d'emploi et de transport. Il y a également d'autres avantages susceptibles de contribuer à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. En plus de ces politiques de protection sociale, le ministère en charge de la famille et de l'enfance a mis en place depuis 2013 l'Initiative nationale de protection sociale, déclinée en plusieurs programmes qui ont pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté, la vulnérabilité, l'exclusion sociale à travers une approche globale et intégrée et déconcentrée pour atteindre les groupes vulnérables. Je voudrais réitérer ici l'engagement du Sénégal à travailler avec tous les pays et institutions animés du même esprit en vue de renforcer la cause qui nous réunit aujourd'hui et réitérer par la même occasion le soutien à M. Olivier De Schutter. Je vous remercie. Thank you very much, Ambassador, and thank you for the intervention and for the efforts of Senegal in this area. I'll now pass the floor to Professor Olivier De Schutter, the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. Many thanks indeed, Todd. And let me first of all thank the permanent mission of France to the UN in Geneva, as well as ATD Fourth World, who have been partnering with me since the start of my mandate. But my thanks go also to the co-sponsors of this event, Senegal, Belgium, Romania, the Philippines, and to the presentations made by Ambassador Borion and Ambassador Sek, which I think were extremely interesting, already starting this collective learning that I'm trying to encourage through my mandate on such issues. I suppose I should apologize for speaking in English. As I mentioned in the beginning, I do this in order to have some balance between the speakers, and I'm doing this at the kind advice of the interpreters who are supporting us and whom I would like to thank equally. What is the context? The context is that as a result of the COVID-19 pandemic, a very large number of countries have adopted social protection measures, and social protection and its universalization, as described by Ambassador Borion,
is again on the agenda. The ILO Social Protection Monitor has identified some 211 countries adopting 392 social protection measures in response to COVID-19. I wonder how they do this, because that's even more countries than there are in the UN, but it is a very impressive move we are seeing. 60% of these measures are new programs or benefits, mostly for the working age population. And that sounds really impressive. But in our study on this topic, we found that many people did not benefit from this progress. People who could not fill in online applications because they have no access to internet or have weak digital literacy. We should recall, for example, that although worldwide some 46% of the world's population has access to internet, this percentage is only 20% in sub-Saharan Africa, 26% in South Asia. In contrast, in North America, that percentage is 78%. So as social services become online and as you need to fill in forms on online in order to have access to certain schemes, that leaves many people out. And then people may fear contact with social services. I regularly meet people, undocumented migrants, informal workers, families in poverty, who fear that if they claim support, there will be an inquiry into the household and maybe the child will be removed from the family if the child is considered at risk. In addition, we find in many countries that corruption plays a role in access to social protection, especially in healthcare provision, in access to schools, in access to means-tested cash transfer programs, which depend on the more or less subjective assessment by social workers of how rich a family is and whether that family qualifies or not. Corruption, we should recall, is a regressive tax imposed on the poor. It is more difficult for low-income households, per definition, to pay such a tax, to have access to social services, not least because typically poor households will be more frequently asked a bribe because they're politically powerless and because they're not expected to complain. So that is why we need a reality check about social protection, not to remain at the level of what the legislation provides for, but examine the very concrete obstacles that people may encounter in having access to social protection. This is why my team prepared a worldwide survey on the issue of non-take-up of rights, and I would like to pay homage to the work of Agathe Ozinski in this regard, who directed this survey. It collected some 421 responses from administrations, NGOs, academia, UN bodies, and some 258 responses from individuals, covering 36 representative countries. We found in this survey that the three top reasons why people do not apply for certain benefits are, first of all, that the application procedure is complex. There are many bureaucratic hurdles. Individuals also may fear to apply, as I mentioned, because of their fear to be in contact with social services. We also found that a second reason was that beneficiaries are often unaware of the benefits they are entitled to. Is not available in the right language, it's difficult to understand. And finally, even when eligible individuals know there is a benefit they may claim access to, they may have poor information about how to do this and how to, in fact, fill in the forms and claim that benefit. Sometimes individuals do apply for the benefit and they do qualify, but they do not receive the benefit. For example, because the budgets are insufficient. In Brazil, their most famous cash transfer program, Bolsa Família, gives a certain amount to each municipality so that when the money is spent, the families that have not been supported yet will not receive any form of support. Sometimes individuals meet physical or technological barriers preventing them from receiving the benefits. They cannot move to the city where the benefit can be collected, or they cannot use the internet to have access to the benefit. And sometimes
they have no information about how they can appeal against this. Let me make five remarks about the lessons we learned in our study. First, stigma associated with claiming benefits rarely comes up in the survey, although we know from other studies it does play an important role in certain contexts. For example, there was a very important study on school meals programs in the UK, and very clearly, children from low-income households felt they were stigmatized if they were benefiting from this free school meal program, so they did not apply, or they applied in much smaller quantities than expected. Similarly, for unemployment benefits, people feel stigmatized when they feel they are a burden on the community and they should be able to find work. So stigma, the shame of claiming certain social benefits, plays a role in non-take-up of rights. My second remark is that social services are caught in a double bind. On the one hand, of course, their role is to provide support to ensure households receive the protection they have a right to receive. On the other hand, however, increasingly, social services are gatekeepers of the system, seeking to prevent fraud. And in fact, they have few incentives to provide people in need with information about the schemes they can have access to, the support they can benefit from, because the dominant language is about the need to save scarce resources. It's about the need to avoid anyone cheating the system and being unjustly included. The main discourse is about the need to screen out the undeserving. And this discourse has been increasingly heard since the 1980s. We have many studies about how the media speak about poverty, showing that the paradigm or the fantasy of the welfare queen, for example, has emerged in public discourse over the past 40 years, also resulting in shame and stigma from people who otherwise would be potentially able to claim certain benefits. And the social workers themselves, they would benefit from a very different approach, one which would see social protection not as a cost imposed on the community, not as a burden on the public budget, but quite the opposite, as an investment in people, as a condition for improved human capital and shared prosperity. My third remark is that targeting, especially by so-called proxy means testing to identify households in poverty, may be a source of non-take-up. Of course, the targeting, which seeks to assess whether a family is wealthy enough and the income's high enough, or whether the family needs to be supported, looks like a good idea because, of course, support is more effective if you target those who need it the most. However, it has a number of perverse consequences. It leads to more bureaucratic hurdles being imposed, documents having to be provided to prove eligibility. It leads to intrusive inquiries into the situation of the household, infringing on privacy rights, infringing sometimes on lifestyle choices. For example, when a family loses benefits because there is a second income earner in the family. Or it may lead to under-inclusion, especially in developing countries where the administrative capacity is weak, where there's a large informal sector, where there's a relatively low registration rate of children, and where social registries are incomplete or not regularly updated. More and more scholars working on this issue tell me that where a large part of the population is in poverty and where targeting is difficult to achieve, universal support may be actually advisable, especially since it removes the stigma of claiming support and it can be more popular politically. Programs that are seen as only benefiting a small segment of the population, people in poverty, may actually be less widely popular and thus financed less generously. This is what Walter Korpi and Joachim Palmer, some 24 years ago, called the paradox of redistribution, showing that universal programs may actually be better for the poor than narrowly targeted programs. My fourth remark is that a rights-based approach to social protection may help address the question of non-take-up. I would like to oppose these rights-based approaches to what I would like to call
charity-based approaches. Charity-based approaches to social protection see coverage and the level of benefits having to depend on the state of public budgets. They also see benefits as granted by the state to alleviate suffering in times of crisis, but not defined as legal entitlements provided in domestic legislation. And many cash transfer systems that have been set up in response to the COVID-19 pandemic fall under that category. Now, in contrast, rights-based social protection means that you start with the recognition, indeed the affirmation, that the state has a duty to guarantee the human right to social security under Article 9 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. And that duty extends to a duty to mobilize sufficient domestic resources by progressive taxation, by improving tax collection, by seeking international support. And it recognizes that people have legal entitlements they may claim and should be protected from discrimination and corruption in the attribution of benefits. My fifth and final remark is that participation of people in poverty is absolutely vital in order to understand the real obstacles they face and thus how to reduce these obstacles and improve the rate of take-up in social protection. Participation indeed is central to the guiding principles on extreme poverty and human rights, approved by the Human Rights Council in September 2012, and which we look forward to celebrating the 10th anniversary of in September of this year. And it is absolutely key if we want to avoid confusing what is legislated upon and what people effectively have access to, given the conditions under which they may claim what they are entitled to receive. Let me conclude by saying this is a report that I think contributes to a debate that is very urgent on the reality of social protection and how it can actually reach people in poverty. But my work and the work of my team will not stop with the report. We plan to organize training sessions. We plan to cooperate with the International Labour Organization and with the International Social Security Association in order to ensure that social protection administrations will be more aware of the very concrete obstacles that people encounter in having access to social protection. And we believe that they should involve people in poverty in providing that diagnosis and in identifying what needs to be done to reduce the rates of non-take-up. The objective is very simple. It is to move from paper rights to real rights in the field of social protection, and therefore to ensure social protection maximizes its potential to eradicate poverty, indeed to prevent people from falling into poverty and to reduce inequalities. Todd, I would like to thank you very much and I look forward to our conversation. Thank you, Olivier, for the very interesting results and lessons from the survey that you're doing. Now we'll move to the two speakers from the French National Consultative Commission on Human Rights. They're with us today because they actually adopted an opinion on the non-take-up of rights in March 2022. We have two speakers, again, Ms. Cécile Rio-Batista, the Deputy Secretary General, and Ms. Ophélie Marel, the legal advisor. So I think first to you, Cécile. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le rapporteur spécial. Je tiens tout d'abord à remercier les co-organisateurs d'avoir invité la CNCDH à participer à cet événement parallèle. Donc, comme le modérateur l'a expliqué, nous allons intervenir en binôme et notre intervention va reposer sur l'avis que la CNCDH a adopté en mars dernier sur l'accès aux droits et le non-recours. Et je crois que notre avis rencontre un certain nombre des constats et des recommandations du rapport du rapporteur spécial.
Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter brièvement le contexte général de la vie et les principaux constats que nous avons pu faire. Et puis, Ophélie vous présentera les recommandations formulées par la Commission. Donc, le choix de travailler sur cette question du non-recours est parti du constat que l'on a fait à la Commission qu'une multitude d'acteurs, une variété d'acteurs, pointait du doigt le fait qu'un nombre très important de personnes en France rencontraient des difficultés pour faire valoir leurs droits, accéder à leurs droits, et que du fait d'un certain nombre de difficultés, la plupart finissaient par y renoncer, notamment en matière de prestations sociales. Et vraiment, le constat était partagé par des acteurs divers, aussi divers que des institutions comme la Cour des comptes, la société civile, les associations ou même des universitaires. La CNCDH a donc cherché à comprendre les causes de ces non-recours et a réfléchi aux moyens d'y remédier. Pour ce faire, nous avons conduit une trentaine d'auditions et nous avons donc entendu, nous avons échangé avec des experts, des associations, des institutions, des bénéficiaires. Et nous avons donc pu avoir vraiment une vision d'ensemble de la situation des non-recours en France et une vision équilibrée entre, d'un côté, les positions, les constats des bénéficiaires ou des associations, mais aussi, de l'autre côté, les positions des organismes qui délivrent ces prestations sociales. Juste une petite remarque, l'avis traite du non-recours au droit de manière générale, donc on a des exemples et des situations très divers, mais tous les constats de l'avis s'appliquent aux prestations sociales, dont le non-recours est particulièrement documenté en France. Alors, les travaux que la CNCDH a conduits montrent que pour comprendre le phénomène de non-recours, il faut en fait changer la manière d'appréhender ce phénomène. Les causes du non-recours ne doivent pas être recherchées du côté des bénéficiaires, qui sont encore trop souvent considérés comme des personnes assistées ou des personnes incompétentes, mais au contraire, il est important d'interroger les dispositifs eux-mêmes, qui en fait sont des dispositifs trop complexes, et il faut remettre en cause les procédures qui sont mal pensées. Les non-recours pour la CNCDH ont une cause systémique et pour y remédier, il convient de sortir des logiques purement économiques, managériales ou performatives. À ce titre, on a noté à la CNCDH que le terme de non-recours en français posait lui-même question. En effet, il sous-entend que c'est sur le bénéficiaire, le citoyen, que reposerait la responsabilité de ne pas avoir cherché à faire valoir ses droits, alors qu'en réalité, certains n'ont pas pu, n'ont pas su ou ont été empêchés de faire valoir leurs droits. Il faut donc repenser l'accès aux droits et la manière de construire et de mettre en œuvre les politiques sociales. Donc, avant de passer la parole à Ophélie qui va développer ses idées et qui va vous indiquer les pistes auxquelles la CNCDH a réfléchi, je voudrais conclure en disant quelques mots sur la question du coût des non-recours. D'une manière peut-être un peu cynique parce qu'on parle de droit, mais c'est aussi une réalité, le non-recours a un coût économique. Parce que il faut rappeler que le fait d'empêcher ou de ne pas faciliter l'accès aux droits, aux prestations sociales, va aggraver les situations dans lesquelles les personnes vulnérables se trouvent et que l'intervention de l'État, parce qu'elle va intervenir trop tard, va coûter plus cher. Donc on a un coût économique qui ne doit pas être négligé. Mais surtout, le non-recours a un coût social. À force d'éloigner les personnes de leurs droits, on risque de ne plus faire société. Les personnes sont placées dans une situation d'infériorité. Elles voient leurs droits entravés et à terme, on encourt le risque que ces personnes ne veulent plus faire partie de la société. Il y a un risque de fracture sociale réelle et grave. À l'inverse, permettre aux personnes d'accéder à leurs droits, d'avoir recours aux prestations sociales, va créer un cercle vertueux, comme ont pu le démontrer les travaux des prix Nobel d'économie Duflot, Kremer et Barnegie. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Ophélie Marel, qui va vous présenter les pistes d'action auxquelles nous avons réfléchi à la Commission.
Oui, merci. Alors, la CNCDH a construit son avis autour de deux axes pour lesquels elle a formulé ses recommandations. Construire autrement les politiques publiques et les mettre en œuvre différemment. Donc, tout d'abord, sur la construction des politiques publiques, la CNCDH recommande de les construire autrement en associant les personnes et en ayant une approche fondée sur les droits de l'homme. Elle préconise vraiment de changer de perspective. Et il ne faut pas se limiter à considérer que le citoyen n'a pas compris, mais accepter aussi la part considérable de responsabilité des administrations dans le non-recours, donc un mauvais ciblage des populations visées, une absence de moyens pour gérer les demandes. Et comme le disait monsieur le rapporteur spécial, la CNCDH rappelle qu'il faut mettre fin aux idées fausses et aux préjugés qui favorisent le non-recours et les discriminations dans l'accès aux droits. Et à ce sujet, il y a des idées fausses, notamment sur l'ampleur de la fraude, puisqu'on va souvent considérer que finalement, ce qui sont des erreurs de déclaration vont entrer dans la fraude. Alors que finalement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont liées au fait que les dispositifs sont tellement complexes que les personnes vont se tromper et percevoir des sommes qu'elles n'auraient pas dû percevoir, car elles n'ont pas fait la bonne déclaration pour accéder à leurs droits. Et cela crée des indus. Et beaucoup de personnes ont un réel stress de l'indu et face à ce stress ne vont plus oser finalement aller faire valoir leurs droits en se disant qu'elles préfèrent ne pas faire de demande plutôt que de faire une demande, avoir des droits et devoir ensuite les rembourser si elles ont trop perçu. Et c'est vrai que la CNCDH n'avait pas perçu à quel point ce stress de l'indu était un élément important dans la part du non-recours. Et c'est pourquoi nous préconisons vraiment qu'il y ait une reconnaissance du droit à l'erreur et qu'il y ait une réflexion autour de cela et que les administrations prévoient aussi mettent en place des éléments très pratiques comme par exemple des échéanciers ou prévoir même à l'avance dire aux personnes que si elles se trompent, le droit à l'erreur sera reconnu. Une réflexion doit vraiment se faire autour de ça. Et dans la construction des politiques publiques, bien sûr, il faut prendre en considération les différentes vulnérabilités des personnes et aussi le cumul de ces responsabilités. On peut par exemple penser à une personne étrangère en situation irrégulière, en situation de handicap, qui n'aurait pas de logement. Et effectivement, ces personnes-là vont être encore plus victimes du non-recours et pourront encore moins faire valoir leurs droits. Ensuite, sur l'évaluation des politiques publiques, le constat de la CNCDH était qu'on a énormément de dispositifs qui se succèdent, de plans, de stratégies, mais qui finalement n'apportent pas de réelle amélioration dans l'accès aux droits. Et la CNCDH considère que les évaluations menées sont insuffisantes. Alors c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis et de savoir finalement ce qui va être ciblé dans l'évaluation. Mais la CNCDH recommande vraiment d'améliorer la collecte de données sur les non-recours et de présenter des évaluations avec des résultats transparents et de faire des évaluations qui visent aussi bien le dispositif que l'accès au droit lui-même. Donc les évaluations doivent être transparentes, transversales, qualitatives et quantitatives. Ensuite, sur la mise en œuvre des politiques publiques, la CNCDH recommande de repenser l'accessibilité des droits, les démarches attendues et aussi le suivi des demandes. Par rapport aux démarches des bénéficiaires, il faut repenser l'accès aux droits et donner une meilleure information en langage clair. C'est vraiment un préalable indispensable. Et cette information, elle ne doit pas être développée qu'au seul profit des citoyens, donc des demandeurs, mais aussi des agents administratifs eux-mêmes, qui parfois, face à la complexité des dispositifs, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'il faut demander. Nous avons eu des exemples qui ont été donnés plusieurs fois au cours de nos auditions d'agents administratifs qui ne proposaient pas certains droits, par exemple le droit au logement, puisqu'en France, nous avons un droit au logement opposable. Et les agents administratifs ne proposaient même pas ce droit au logement aux familles en se disant que la constitution du dossier allait être trop compliquée pour la famille et qu'il valait mieux y renoncer. Et ceci n'est pas acceptable. Et effectivement, ce déficit d'information est aussi lié à une spécialisation excessive de l'administration, avec des blocages techniques, un manque de partage de connaissances entre les administrations, un nombre de circulaires très important, un manque d'harmonisation des pratiques entre les territoires. Et cela va aussi complexifier l'accès aux droits. Donc, effectivement, la CNCDH recommande de mettre en place des dispositifs d'information qui sont clairs,
pour le bénéficiaire et pour l'agent administratif. Et vraiment, il faut partir de la situation de la personne concernée, utiliser un langage clair et, par exemple, encourager le recours au legal design dans tout ce qui est information juridique, par exemple. Et la CNCDH recommande aussi de mettre en place un point d'entrée unique ou un référent unique adapté aux besoins et à la situation de chaque personne en appliquant la politique du aller vers, c'est-à-dire en se fondant vraiment sur les besoins de la personne. Ensuite, s'agissant de l'accueil des bénéficiaires, les personnes qui sont chargées de l'accueil doivent être formées à un accueil qui est vraiment adapté à la population et aux personnes à laquelle elles vont s'adresser. Et nous avons eu des exemples de bonnes pratiques, par exemple, dans certains tribunaux. La caisse d'allocation familiale tient une permanence d'accès aux droits les jours où se tiennent les audiences, par exemple, de surendettement ou de loyer impayé, puisqu'elles savent qu'elles vont pouvoir toucher un certain public qui n'irait pas forcément les voir. Et effectivement, dans ces tribunaux-là, il a été constaté que le non-recours avait diminué grâce justement à ces permanences mises en place. Et d'autres recommandations très concrètes, ça va être de simplifier et d'harmoniser le contenu des obligations déclaratives. Donc, par exemple, diminuer le nombre de pièces demandées pour constituer des dossiers, éviter de devoir demander plusieurs fois les mêmes pièces, éviter de demander des pièces qui ne sont pas prévues par les textes, par manque de connaissances. Avoir une sorte de tronc commun aussi à toutes les demandes qui permettrait aux personnes d'avoir un premier dossier constitué. Nous avons par exemple des exemples de personnes qui ont plein de petits emplois, ou par exemple une femme de ménage qui va travailler chez 10 employeurs par mois, qui va faire une demande de chômage à la fin d'une année, qui n'aura pas travaillé certains mois, elle va devoir fournir des justificatifs pour chaque mois et pour chaque situation. Cela équivaut à une centaine de photocopies pour un dossier, avec le coût aussi des photocopies que cela engendre et aussi l'impossibilité de pouvoir récupérer la totalité des pièces. Donc ça, effectivement, il est vraiment absolument indispensable de simplifier les démarches et les demandes, et aussi en cas de renouvellement des demandes, de ne demander que les documents qui soient strictement nécessaires au renouvellement et pas l'intégralité du dossier, comme cela peut être le cas dans le cadre de certaines demandes de prestations sociales. Enfin, nous avons axé nos dernières recommandations sur l'accès au numérique, qui est effectivement une clé pour permettre un meilleur accès aux droits et lutter contre le non-recours. Alors, la CNCDH est bien évidemment très favorable à la numérisation. Toutefois, elle rappelle quand même que ce n'est pas qu'il faut faire très attention et ne pas considérer que c'est l'unique solution pour lutter contre les non-recours. Les plateformes doivent être pensées pareil en fonction des personnes et du public auquel elles s'adressent, et s'adapter aussi au smartphone, puisque beaucoup de personnes ont uniquement un smartphone pour pouvoir accéder aux plateformes pour faire valoir leurs droits. Et il faut aussi que les sites soient homogènes et ne pas les multiplier. Par exemple, devoir se remémorer 10 mots de passe, c'est parfois impossible. Et nous tenions à vous souligner une décision très importante du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, du 3 juin dernier. Oui, j'ai presque fini, qui a effectivement annulé un décret qui prévoyait que les demandes de titres de séjour des étrangers ne pouvaient se faire que par voie numérique. Et le Conseil d'État a considéré que ce n'était pas possible, puisqu'il fallait aussi prévoir une autre manière pour ces personnes de faire valoir leurs demandes, et qu'un accès unique au numérique ne pouvait pas permettre l'accès au droit à toutes ces personnes-là. Donc effectivement, il faut simplifier le fonctionnement des plateformes, mettre en place des plateformes qui prennent bien en compte les spécificités de chacun, une accessibilité aussi en termes, par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap, et aussi toujours, et ça c'est ce que la CNCDH recommande aussi dans beaucoup d'autres domaines, mais toujours prévoir un accueil physique qui soit adapté. Par exemple, c'est très concret, avec des horaires qui soient adaptés aussi aux personnes à qui elles s'adressent. Voilà, des personnes qui vont travailler en journée, par exemple, ne pourront pas avoir accès à l'administration en journée. Et donc, il faut aussi prévoir ces cas de figure-là. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions sur nos recommandations. Thank you very much to the two interveners and speakers from the French National Consultative Commission for Human Rights, and specifically for their work to base the response to this problem in human rights. Okay, now we'll move to three representatives
from the Democratic Republic of Congo. There are members and activists from ATD Fourth World, and they provided a very interesting submission to the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights in preparation of his report on the non-take-up of rights. And that submission that they did was based on a contribution that they, members of ATD Fourth World, based their submission on their own experiences and on that of others. So we have three speakers, Mr. César Pierre, Ms. Philomène Kasigé, and Mr. Saleh Abessi. You have 10 minutes between the three of you. Over to you. C'est à vous. C'est. Merci. C'est Philomène, français. Oui, c'est moi. Ok. Je passe la parole. Ok. Bonjour tout le monde. Nous sommes honorés, très fiers et très fiers de prendre part à ces échanges qui nous permettent de rencontrer des personnes de différents milieux, chacun avec un savoir à donner. Pour nous, c'est une excellente occasion de parler des personnes écrasées par la misère, la pluie noire, ainsi que leur initiative dans la construction d'un monde meilleur où la dignité de chaque humain sera respectée. Ces échanges tourneront sur les non-recours, un problème dont plusieurs membres de notre groupe ont fait l'expérience. Fort malheureusement, si on auditionne la pratique, on découvre que les prescriptions de la loi considérant la sécurité sociale comme un droit pour tout Congolais souffrent de l'exécution. Dans la pratique, elle n'existe presque pas. C'est des lettres mortes qui, en réalité, ne servent la population en rien. Le régime de protection sociale qui existe, même si c'est dans les textes, ne couvre qu'une partie de ceux et celles qui travaillent dans le secteur formel, l'administration publique de l'État avec toutes ses composantes. Dans notre pays, bon nombre de gens sont dans le secteur informel. Des milliers de personnes vivent du commerce ambulant, souvent non réglementé, du travail de portefeuille. Certaines sont employées dans des carrières, dans des mines, sans aucune protection. Ces personnes souffrent le plus, mais bénéficient le moins de la protection sociale. Je ne peux pas me soulever contre un système déjà construit. Je serai le perdant, disait un militant d'ATD Quart Monde, lors de nos échanges sur la maltraitance institutionnelle et sociale. Il s'expliquait par l'illustration suivante. C'est imprudent pour un chasseur de s'engager dans un combat contre un lion lorsque celle-ci n'a pas une arme plus puissante que celle du lion. C'est ce sentiment que les personnes éligibles à des services sociaux, mais qui n'en bénéficient pas, portant en elles. Elles se sentent impuissantes
humilié. Cette situation est très complexe en République démocratique du Congo et dans d'autres États africains et certainement dans plusieurs pays du monde où des efforts doivent encore être consentis pour apporter un changement positif et faire entendre la voix des personnes isolées, écrasées par le silence et la grande précarité. Plusieurs choses peuvent être à l'origine de ce silence, cette renonciation aux droits qu'on appelle encore le non-recours. On peut citer la méconnaissance des avantages sociaux, et c'est le cas vraiment chez nous, la peur de se faire virer par son supérieur, la corruption qui mine la justice, l'absence de l'État dans le suivi et le contrôle des activités des entreprises, le manque des politiques sociales et des stratégies adéquates pour écouter les citoyens, entendre leurs souffrances et apporter une solution durable. Une longue procédure au moment de la demande, comme beaucoup d'autres panélistes l'ont dit. Un membre nous a partagé son expérience avec une entreprise sous-traitant avec une brasserie de la place. Il l'a fait en ces mots. J'avais été appelé par mon supérieur pour signer la résiliation de mon contrat pour des raisons fabriquées. C'était de mensonges créés par mon chef pour m'écarter du service après 16 ans de prestations, pour qu'il ait un moyen d'engager quelqu'un avec qui il avait des affinités. C'était inhumain parce que je n'avais pas reçu d'indemnité de sortie, les derniers mois de travail n'avaient pas été payés. Et jusqu'en ces jours, je n'ai reçu aucun décompte final. Pourtant, j'en avais les droits. J'ai déposé une plainte à l'inspection de travail quelques jours après. Mais bizarrement, c'est le parquet qui m'avait convoqué. L'inspecteur avait reçu une somme d'argent pour mettre fin au dossier. Le magistrat aussi en avait reçu pour m'influencer à faire des arrangements avec l'entreprise. L'an passé, lors de l'enquête sur les non-recours, nous avons découvert que ce phénomène est fréquemment et durement vécu dans les services même de l'État. Ce n'est pas seulement dans des entreprises privées ou commerciales. Une femme nous avait aussi parlé de la souffrance qu'elle traverse au quotidien en disant « Mon contrat à l'Office des routes me reconnaît le droit d'être logé ». J'habite aujourd'hui une maison du travail que je ne dois pas normalement payer, mais chaque mois, on me fait payer une somme de 40 dollars américains. C'est de l'argent que nos supérieurs se distribuent certainement. C'est de l'argent qui n'est pas versé dans la caisse de l'État. Nous avons un syndicat au sein du camp, mais celui-ci travaille avec le bureau central. Il nous aide en rien. Nous parlons ici des deux personnes, deux témoignages concrets, mais des multiples concitoyens vivent les mêmes drames et sont dans un silence absolu à imposer. Ils ne peuvent oser faire de réclamations parce qu'ils doivent avant tout penser à sauvegarder leur poste, leur travail. Le phénomène donc du non-recours a un impact très grave, comme nous l'avons dit tantôt. Sur les plans financiers, on n'arrive pas à répondre favorablement aux besoins les plus fondamentaux, tels que les soins de santé, la sécurité alimentaire, la scolarité des enfants, et c'est très difficile pour les familles qui vivent encore dans des conditions graves, difficiles de pauvreté. Émotionnellement, on n'est pas stable. On se sous-estime. On pense avoir perdu toute sa valeur. Sur les plans sociaux, quand on est frappé par toutes ces conséquences du non-recours déjà cité, on perd des amis, des proches. Parfois, on est méprisé et pointé du doigt en permanence. Pendant la période où la COVID faisait encore beaucoup de morts, pendant cette période où les circulations ont été limitées, le gouvernement central
avait rendu gratuite l'eau et l'électricité. C'était une décision qui a une petite catégorie de notre communauté. Seulement ceux qui avaient des robinets d'eau courante chez eux n'ont pas dû payer leur facture d'eau en cette période. Mais les autres n'ont eu aucun avantage. Pour mettre un terme au phénomène des non-recours et ses effets, il faut une mobilisation collective et très sérieuse qui va tenir compte des idées et des aspirations de tous les citoyens. Voici deux principes qui doivent tous nous inspirer, chacun au niveau où il se trouve. Traiter tous les hommes de la même façon, en égale dignité. Placer le plus démunis, ceux dont la voix est rarement entendue, au centre des politiques sociaux et stratégies de lutte contre l'extrême pauvreté. Au sein de l'ATD Carmonde, ces deux valeurs nous caractérisent et nous avons la conviction que c'est seulement en réfléchissant ensemble on offre à tous les citoyens la même chance que l'on peut bâtir une humanité nouvelle et un monde meilleur pour tous. Nous voudrions terminer notre intervention avec cette parole du Père Joseph Wojcicki, l'homme qui nous a mis en route. Il faut savoir tirer notre réflexion aussi bien que notre pratique de l'expérience du plus pauvre. Non pas une idée que nous nous faisons de son existence, de son vécu quotidien réel. Merci pour votre aimable attention. I want to thank the three interventions and speakers from ATD Fourth World from DRC Congo. Before we move to the questions, I just wanted to highlight a couple of things said by speakers as we move through, because it was a thread that I think was very important that was developed in different ways by the speakers. Starting with the French ambassador for human rights, indicating a concern of the French government of the non-take-up of rights, looking at issues of stigma, but specifically taking on the responsibility to find why people aren't taking on these rights. And that really is important from a human rights perspective in terms of looking at the question, going deeper. And I think that's extremely important. Then the second intervention from the ambassador to the United Nations in Geneva, I think what was very important was the link he made between solidarity and prosperity, and the idea that this is an investment in our shared future, and the importance of access of individuals that have been left behind in vulnerable groups. Then Professor De Schutter, in terms of his approach of collaborative learning, I think that the survey is very interesting in terms of how do we begin to understand, as the United Nations, how do we actually contribute to resolving this problem? And I think that the survey was extremely interesting because it shows, you know, the complexity of application processes alone can be discouraging and prevent people from let's say, realizing their rights. The fact that people are unaware of the existence of benefits and possibilities of exercising their rights. And then there's also poor information in terms of how to apply. I think the five lessons from the report are extremely useful in terms of, you know, what is the problem and how do we move forward? But again, the idea that human rights provides a useful, let's say, guardrail to improving the situation and to overcoming some of the realities that are there. I think also the fact that one, I think governments need to consider the idea of universal support because it might actually end up with a more effective response.
I think then moving to the French National Consultative Commission, I think this was extremely important, the work that they've been doing, taking, let's say, the national policy of targeting people that have been left behind and digging down deeper in terms of, you know, why this is happening. And I think that, you know, a couple of very important points were made in terms of, you know, we have to understand the realities of the people left behind. We have to understand and provide means of participation so that we can see why this isn't working. And the tie to that in terms of, you know, if we don't do that, there's a cost both to the government and to society. The idea that these are rights relates to the fact that these are useful investments to creating stable, resilient societies. And I think time and time again, studies show it. But oftentimes, political ideology undermines our ability to get there. So I think that the intervention here was extremely important in terms of showing in various circumstances how you base a response in human rights to overcome the challenges of non-response or non-take-up. And then I think finally, and I think very appropriately, the interventions from the Democratic Republic of Congo, from the activists, I think they bring us back to the reality that everyone has something to contribute. And that when we don't actually see that and we don't facilitate that, we have a problem. And I think too, the contradiction between rights on paper and rights in reality. And that's something that we see all too often, and we see it globally. I think too, the specific experiences in terms of people feeling humiliated, fear, corruption, the possibility of some type of sanction means that they don't take up their rights. And so we need to figure out how do we actually overcome that. And then finally, the idea that all citizens have to be given the same chance to advance to create the type of society we want to live in. So I want to thank all of the speakers, because I think together it really creates a nice mosaic in terms of where we need to go on this issue. So I think with that, we'll move to the questions. And I think Anne is going to help me, I think, with the first couple of questions. Anne, do you have, sure. I don't see your... Sure, I can. There you are. Let me start my video. Voila, and I'm gonna change the view so that everyone can see each other. I think, I mean, there's a couple of questions asked, but maybe, let's ask one that I find particularly interesting. So I'm going to say it in French just for the interpreters already. I'm just going to read it. Pourquoi le rapporteur spécial parle de non-recours alors qu'il s'agit en réalité de non-accès aux droits? Les exemples cités des difficultés, de la complexité des processus montrent bien que les personnes cherchent à avoir recours et n'aboutissent pas. Voilà. I suppose, Todd, if you agree, I can pick up that one, because it's in fact a question addressed to me related to the title of the report and the wording or the vocabulary used to describe the phenomenon, which of course is a phenomenon specialists in social policy have been describing for years now, and they use the word non-take-up, non-recours au droit to describe it. But I do see where the question comes from. It is absolutely true, as the adjunct Secretary General of the Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, Cécile Rioux, mentioned, it is misleading, because it suggests that the reason for people not having access to social protection is because they just are not interested. And should they want to have access, they should, in principle, not face any difficulties. So the reason why access to social protection is insufficient is because of the choice made by a person who is making a calculation that it is too costly to have access to the scheme in comparison to the benefits that can be obtained. And I think
we have to put non-recours, non-take-up between brackets in order precisely to ensure that the design of the scheme, the way it is applied by the social services, the kind of information that is provided, and the kind of layers of administrative hurdles that are imposed in order to have access are not underestimated. That is why people, if they do choose not to exercise their rights, do not have access to social protection. So I thank the author of this question. I think it points to some hypocrisy in the way we look at the issue, which reflects in the vocabulary that is in use in this area. Thank you. Well, do you want me to ask another question? Now, what I thought I would do here is that we would go to one that I think everyone can respond to, which relates to the importance of legal clinics and support relative to challenging or to overcoming the non-take-up of rights. Because I think everyone in the panel has something to say about this. And in fact, yesterday, I was speaking to my team, indicating that we actually were going to have a meeting with India, because they're moving more toward a process of smartphone applications, but they have lots and lots of people that don't have access. And we were also talking about the fact that you had a real challenge in terms of accompaniment. You know, how do people actually apply for benefits? How do we get there? And so we were going to have that discussion with them, with the concern that I think people had brought up here. And I think the ambassador and permanent representative to the United of Senegal to the United Nations in Geneva brought up the issue of legal clinics and the importance of creating that type of accompaniment. So I would like to bring this question actually to all panelists. Please be brief because we have a number of questions, but that if we could just start in the same order as we did, and then next time we'll start in the opposite order if there's a question that goes to everyone. So first over to Ambassador Bortian. Thank you very much. Indeed, the debate and really, je remercie vraiment tous les intervenants qui ont apporté à chacun une lumière très, très intéressante et très, très spécifique sur la question pour comprendre le pourquoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a aussi adopté cette stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui prévoit ces territoires zéro non-recours, parce qu'on voit bien le poids économique et social, et la représentante de la CNCDH l'a très bien dit. C'est le fait de priver que les individus, les personnes, n'aient pas cette capacité de résilience au choc fait qu'ils peuvent très vite tomber aussi dans des poches de pauvreté dont ils ne pourront pas ressortir, alors que sinon on peut avoir un incident dans sa vie dû à un problème de santé, aussi un problème d'accident, et la trappe à pauvreté ne se referme pas, on peut au contraire ressurgir. Et donc ce recours et cette importance de pouvoir avoir accès à tous les bénéfices sociaux est extrêmement important. Et je fais peut-être une comparaison un peu historique, mais c'est très intéressant de voir que le développement des pays industriels européens à la fin du 19e siècle se sont accompagnés justement de ces mécanismes de ces débuts de mécanismes de protection sociale ou d'assurance, et qui ont été très importants pour le développement en fait de l'ensemble du pays. Pardon, je m'arrête là. Ambassador Sek. Merci beaucoup. Les débats sont extrêmement importants et riches. Je pense que, à mon avis, sur la question qui a été posée initialement, la terminologie pour moi importe peu. L'essentiel, c'est qu'il y a un constat qui est fait, que des citoyens qui ont la possibilité d'accéder à la justice à un moment donné n'ont pas la capacité de le faire. Et donc, dès que le constat est fait, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'essentiel, c'est que
toutes les parties prenantes, l'État, la société civile et toutes les institutions soient en mesure de créer les conditions pour que tout citoyen qui le désire puisse accéder à la justice. Maintenant, on peut être informé, avoir les capacités, les moyens et ne pas vouloir exercer une action. Ça également, pour une raison ou une autre. L'essentiel, c'est, me semble-t-il, et c'est ça l'esprit avec lequel nous allons dans nos pays, au Sénégal particulièrement. Effectivement, il y a ce non-recours-là qui est constaté. Et ça remonte à longtemps, pas seulement même pour des questions liées au social, même pour des contentieux avec l'État. Voilà. Dans nos pays, par exemple, le droit administratif n'est pas développé parce que le non-recours est extrêmement développé. Voilà, donc on n'a même pas d'exemple parfois concret pour illustrer des situations de droit. Et donc, l'idée est maintenant de travailler, de faire la sensibilisation, de mettre en place des organisations telles que l'Association des femmes juristes, beaucoup de mécanismes qui vont favoriser l'esprit, cet esprit qui consiste à exercer ses droits et voilà, faire revendiquer et faire valoir ses droits. C'est juste l'idée qu'il faut encourager, mais en attendant, l'État doit être là. C'est la responsabilité première, à mon avis, de l'État de faire en sorte que les citoyens aient accès à la justice et fassent prévaloir le droit. Thank you. Olivier? Merci beaucoup, Todd. Je vais répondre en français pour varier un petit peu les langues. Je voudrais, en très peu de temps, dire que parmi les recommandations les plus concrètes que nous avons entendues et les réalisations très concrètes, comme par exemple cette justice de proximité pour les plus démunis que l'ambassadeur Kolisek a évoqué au Sénégal, ces expériences et ces suggestions viennent de l'écoute que l'on prête aux personnes en pauvreté. Quand Ophélie Marel, pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, parle des horaires des guichets, parle de la question de l'accès à des formulaires en ligne et des ambiguïtés de la digitalisation des services publics, je crois qu'elle touche à des questions que les administrateurs, en fait, ne songent pas à soulever parce que les personnes en pauvreté ne sont pas associées à un diagnostic sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, je vais réitérer mon plaidoyer pour qu'à l'avenir, nous cherchions des solutions à ce problème du non-recours au droit en associant les personnes en pauvreté à notre diagnostic, parce que sinon, il y a beaucoup de petits changements peu coûteux, mais extrêmement efficaces, à côté desquels nous risquerions de passer. Merci encore. Very good. I think to Cécile and Orphelay. Merci beaucoup. Alors, très brièvement, pour rebondir sur ce que vient de dire le professeur de Schutter, je crois aussi que c'est vraiment un des points fondamentaux, et c'est ce qu'Ophélie évoquait également, l'importance de construire les politiques publiques et de mettre les politiques publiques en œuvre en ayant à l'esprit l'approche fondée sur les droits de l'homme. Parce que l'un des principes de l'approche fondée sur les droits de l'homme, c'est la co-construction, la co-évaluation, et c'est associer les bénéficiaires à la manière dont on va construire, penser les politiques publiques. Et c'est cette approche fondée sur les droits de l'homme qui va faire qu'on va réduire au maximum le non-recours et qu'on va avoir des politiques sociales, des prestations sociales qui seront pensées pour les personnes qu'elles ciblent, en fait, et qui seront réellement efficaces. Donc, je trouve que c'est peut-être important de rappeler ici cette approche fondée sur les droits de l'homme. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Cécile et aussi M. de Schutter, c'est vrai que voilà, l'idée, c'est vraiment de penser et construire les politiques différemment. Et c'est vrai que dans notre avis, la CNCDH a aussi beaucoup insisté sur le fait que tout doit être pensé aussi par rapport à l'accueil et aux personnes qui vont travailler avec les personnes concernées. On nous a parlé aussi d'exemples dans certaines administrations ou au guichet d'agents d'accueil qui ont des minuteurs pour accueillir les gens.
Et donc, au bout de 5 minutes, le minuteur se met à sonner. Donc, tout le monde est dans une sorte de situation de stress. Et forcément, si une personne arrive au guichet avec un nombre de documents dans un sac plastique pas trié, eh bien forcément, la personne au guichet qui voit son minuteur et qui doit avoir répondu à 30 personnes dans la journée, va mettre la personne de côté en lui disant de revenir, en lui disant que son dossier n'est pas complet. Et la personne qui est venue avec son dossier peut craindre de revenir en se disant bah voilà, je n'ai pas ce qu'il faut. Et donc là, on crée aussi des situations de non-accès au droit et de non-recours. Donc effectivement, dans cette construction, il faut vraiment penser de tous les côtés. Et voilà, c'est pour ça que nous, on insiste aussi beaucoup sur l'accueil qui va être fait et sur la manière de repenser cet accueil au niveau aussi de l'administration. Thank you. Now over to Philomène, Sissa, and Saleh. Et nous, au-delà de tout ce qui a été dit, parce que c'est très intéressant toutes les interventions d'Olivier Descouteurs et tous les autres intervenants, mais nous pensons vraiment que non-recours, non-accès au droit, tout cela, ce sont des mots, ce sont vraiment des termes, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, mais le plus important, c'est ces constats-là, c'est ces faits-là qui existent dans la société. On sent qu'il y a une partie qui ne bénéficie pas de tous les avantages, de tous les services, les prestations sociales, et pour ça, il faut qu'on agisse à tous les niveaux et qu'on prenne en compte les idées des personnes les plus isolées, les plus coincées dans la situation d'extrême pauvreté. Donc, c'est bien de penser et de repenser les politiques sociales qui permettent à tous d'accéder et de recourir aux avantages ou prestations sociales, mais c'est très important si on les fait avec les personnes les plus isolées et non pas pour eux. Merci. Thank you very much. And so, Anne, why don't you present the next question, please? Sure. I will go for Janet Nelson's question, which is, what are the financial implications of universal access to social protection benefits in comparison to the current systems based on targeting? In this particular case, do we have any volunteers to respond to this? And thank you, Orphile, for being with us. Anyone want to respond to this question? I think first and foremost, before we hand the floor to Professor Deschutes and Ambassador Seck, I think it's important that the speakers highlighted that these are investments. And investments in a society to create the type of society that we want to create based on the vision of the Universal Declaration of Human Rights. So oftentimes it's important to see how we construct the question and how we respond to it. So I guess Professor Deschutes and then to Ambassador Seck. Many thanks. I would like to make in response perhaps three remarks very briefly. First, we should avoid opposing two strongly targeting or targeted schemes on one hand and universal schemes on the other hand. We can have many hybrids, and targeted universalism would mean, for example, that all have access to certain benefits, for example, child allowances, but those families that have lower incomes may have a higher level of support than those who have higher incomes. And so the right question is not targeting versus universalism, it is what degree of indexation of support on the situation of the family concerned. That's number one. Number two, it's important to realize that although it may be costly to protect
all the population, and although some households may not need to, for example, receive child allowances or housing allowances, paradoxically, it may be much easier to fund universal programs simply because the support within the population will be easier to get. And taxpayers' money will be easier to collect in support of universal schemes. Think of healthcare, think of education. These are universal social services that are extremely popular, that no government would dare to remove because it has such a strong support from the middle class. And of course they are costly, but they create a sense of social cohesion and unity and solidarity that is extremely precious to maintain and indeed to re-inject in current discussions. And my third point, Todd, simply repeats what you said. I think what may look like a cost in the short term, in the long term, has very important multiplier effects, allowing inclusive growth and the building of human capital that are vital for the sustainable trajectory of our societies. And there are many studies on child allowances, for example, that show that the returns on investment are very high, not within 6 months, not within a year, but within 5, 10, 15 years, absolutely. And these returns are extremely high. It is, frankly, the best investment a society can make. Many thanks. Ambassador Sack. Merci beaucoup. Je pense que l'accès universel, l'État a une responsabilité, comme j'ai dit, la responsabilité première de l'État de mettre en place les conditions pour que les citoyens puissent avoir accès aux services sociaux de base, à la protection sociale de base voulue. Mais naturellement, cela ne se passe pas comme souhaité, et pas seulement dans les pays à faible revenu, dans les grands pays, hein, comme les États-Unis, vous verrez les mêmes problèmes qu'on constate dans nos pays. Vous voyez, l'essentiel, c'est d'avoir la volonté politique de mettre en place un cadre par lequel les citoyens qui ne sont pas dépourvus des moyens ou des connaissances techniques nécessaires puissent accéder à certains services, notamment la justice et d'autres services. Par exemple, dans les pays développés, vous voyez, il y a des citoyens qui veulent faire prévaloir le droit, mais qui n'ont pas de moyens pour payer des avocats. Des pays où, si vous n'avez pas d'avocat, vous ne pouvez pas faire prévaloir vos droits. Maintenant, est-ce qu'on va mettre des systèmes pro bono pour faire en sorte que les citoyens qui n'ont pas ces moyens puissent avoir accès à ces services qui coûtent cher dans certains pays? Donc, si nous le ramenons à des contextes de pays à faible revenu maintenant, le contexte peut changer. Dans nos pays, par exemple, au Sénégal, il y a une loi nouvelle qui met en place l'assistance d'un avocat dès que vous avez la possibilité. Par exemple, si vous êtes interpellé, tout ça rentre dans le cadre de la possibilité d'accorder aux citoyens la possibilité de faire prévaloir ses droits. Maintenant, il y a d'autres différents qui sont privés. L'individu doit faire un recours contre son employeur, contre, voilà, plusieurs situations où il s'agit de mettre en place des systèmes avec la société civile également, parce que l'État ne peut pas tout faire, et même s'il le voulait, cela prendrait du temps. Je pense qu'il faut, avec l'aide de la société civile, des organisations des droits de l'homme, des ONG, faire en sorte que des mécanismes indépendants de l'État également puissent travailler dans ces systèmes pour permettre aux citoyens de venir en appui à l'action de l'État et permettre aux citoyens, à une large gamme de citoyens, de pouvoir bénéficier des services les plus essentiels pour faire prévaloir le droit. Thank you, Ambassador. And I just wanted to say there's a few more questions. Perhaps we could take two more, even though I know time is out. And so I wonder if we could take another 5 to 10 minutes of your time, given the fact that there was, and there still are, a number of people participating. And if you do have to leave, we certainly would understand it. But let's just take there's two questions that I think we'll take. One relates to the definition of citizen. I think it's an extremely important question in terms of, you know, one of the important issues is when we talk about a human rights approach, we talk about human beings. We don't necessarily talk about citizens or migrants.
But it is a very important issue for us in terms of how do we respond to people that don't have status, and are we including them when we talk about this issue of non-take-up. So I think I would appreciate if people would volunteer to respond to this question. Ambassador Sec. Pour moi, c'est une question de droit de l'homme. Vous voyez, c'est des questions complexes que vous posez. Et voilà, les pays ont certes leur législation, mais moi, dans mon travail d'ambassadeur, de chargé des affaires consulaires, par exemple, hein, je vois toujours des citoyens qui sont dans une situation irrégulière dans un pays, qui doivent prévaloir un droit, et à qui on essaie de faire comprendre que, voilà, justement, presque ce droit-là n'existe pas parce que vous étiez en situation irrégulière dans le pays. Et on encourage à un moment donné l'individu même à voilà, partir tranquillement, sortir et rentrer. Et c'est des situations concrètes qui se présentent. Il y en a des milliers, nous les rencontrons dans ces pays où nous sommes. Et donc, voilà, l'essentiel, c'est de, dans la gestion de ces dossiers-là, parce que les États fassent preuve d'esprit d'inclusivité, c'est-à-dire que le statut légal ou illégal ne détermine pas le droit qu'a un individu, tout simplement, de faire prévaloir ses droits. Maintenant, plus tard, on pourra voir après est-ce que voilà sa situation, mais faire prévaloir un droit à un moment donné est un droit fondamental de la personne humaine qu'elle doit pouvoir exercer indépendamment de son statut. Merci. Merci beaucoup et merci encore pour ce débat très important. Comme vient de le dire l'ambassadeur Sec, on est aussi au cœur des droits de l'homme et dans leur dimension économique et sociale qui est fondamentale tout autant que la dimension des droits civils et politiques. Et c'est important d'avoir l'ensemble de ces droits qui sont vraiment aussi promu. Et quand on parle effectivement alors de citoyens, je dirais qu'il y a aussi, bien sûr, ça doit être accessible à tous les citoyens, mais même quand ce n'est pas nécessairement des nationaux, les droits fondamentaux et les besoins fondamentaux doivent être aussi comblés. Et en France, par exemple, nous avons, y compris pour les personnes qui sont en France, mais qui n'ont pas nécessairement un titre de séjour, qui sont parfois de façon irrégulière, il y a aussi des soins médicaux de base, les soins urgents et vitaux qui peuvent être ouverts, des prestations sociales également de base, l'aide sociale pour l'enfance, pour les personnes âgées, des hébergements d'urgence. Donc voilà, on essaye aussi de fournir ces soins de base à l'ensemble des personnes, et ce sera effectivement un principe de droit de l'homme. Et puisqu'on arrive à la fin de la discussion, je voulais aussi simplement mentionner une autre question concernant les systèmes de protection pour montrer qu'il y a une très grande diversité en fait de ces systèmes de protection sociale et que chaque pays peut avoir un système qui lui est propre, qui correspond à sa culture économique, sociale, mais je crois que c'est important, c'est justement l'ensemble de ces systèmes puissent exister pour répondre au mieux aux besoins. Et il n'y a pas un seul modèle unique dans cette universalisation, voilà, une grande diversité de réponses possibles. Merci. Merci. Oui, merci. En fait, je rejoins ce que vient de dire l'ambassadrice Borian. Pour la CNCDH, il est très clair qu'effectivement, cette question de l'accès aux droits, de l'accès à certaines prestations sociales, elle dépasse la question de la citoyenneté ou de la situation administrative. Et effectivement, en France, on a des dispositifs qui sont destinés aux étrangers en situation irrégulière pour justement permettre un accès à
un minimum en termes de santé, d'hébergement, d'éducation, voilà. Et à la CNCDH, on plaide énormément pour que ces dispositifs soient effectivement mis en œuvre, pour qu'ils soient éventuellement complétés, pour qu'il y en ait plus. Et notre acception de qui doivent être les bénéficiaires des prestations sociales est très large. Et on a une vision très inclusive. Et effectivement, on estime que quel que soit le statut administratif, les personnes, parce que c'est une question de dignité, parce que c'est une question de droits humains, doivent avoir accès à un minimum de prestations sociales. Thank you, Cécile. So I think what we'll do now is we'll take one more question from Anne, and as part of this, you can also do your wrap-up in terms of each of you. We'd encourage to respond to the question and then also to give your final thoughts relative to the panel, and we'll close with, and so you can answer the question or you could just simply give your final remarks. Anne, over to you. Thank you, Todd. Alors, pour finir, je prends la question d'Antoine. C'est la suivante. En complément de la participation des personnes concernées par la pauvreté, n'aurait-il pas aussi à avancer avec les professionnels, les bénévoles, sur qui repose de plus en plus l'accompagnement vers les droits? En toile de fond, cette question fait notamment écho à la perte d'attractivité des métiers du travail social et de la fermeture des guichets administratifs en France. Mais le constat doit être similaire ailleurs. Ambassador Bordian. Yes, merci. Deux mots. Je crois que la réponse, elle a été aussi mentionnée dans le débat, c'est qu'il faut faire ces mécanismes et organiser le dispositif, pas seulement pour les personnes, mais avec les personnes, avec les assurés, avec les bénéficiaires, de façon à être plus à l'écoute justement toutes ces contraintes qui ont été très bien mentionné par l'association ATD Garmand au Congo, par l'ambassadeur, par la commission, la CNCDH. Donc, le faire avec, de façon à pouvoir répondre aux besoins. Et on voit bien combien encore la route est longue pour répondre à tous ces besoins. Et notamment en termes aussi de fossé numérique et le fait que les personnes aussi âgées souvent ont plus de difficultés parce que beaucoup de choses est numérisée. Un dernier mot sur les femmes. On n'en a pas énormément parlé, mais c'est important parce qu'elles sont souvent effectivement discriminées ou elles ont un encore moindre accès dans ce recours, cet accès aux droits et aux prestations sociales. Et donc, faisons bien prenez-en bien en compte pour pouvoir définir les programmes et l'accès et favoriser leur accès parce qu'elles sont c'est important pour elles mais c'est important pour l'ensemble de la société. Merci. Et merci encore pour ce débat. Thanks very much. Actually, I'll change the order at the very end. I think we'll go to ATD from DRC, and then we'll go to Cécile, to Ambassador Sec, and then we'll end with Olivia. So over to you for your concluding words from DRC. Alors, merci beaucoup encore une fois de nous accorder la parole. Et par rapport à la dernière question qui a été posée, nous pensons, comme l'a dit celle qui vient d'intervenir tout à l'heure, il y a eu certains éléments qui ont été donnés dans les discussions et lors des différentes présentations. Donc c'est vraiment important, cette participation des personnes qui vivent en situation de pauvreté et surtout des personnes qui bénéficient des prestations sociales. Et puis moi je pense qu'à un moment donné, on ne doit pas considérer seulement cela comme,
comme une approche, comme une méthodologie, mais vraiment, c'est dire que c'est une obligation, c'est un devoir qui permet à ces personnes-là, à ces bénéficiaires-là, de ne pas se sentir comme des simples bénéficiaires, mais plutôt comme des acteurs également. Et pour terminer, je voudrais vraiment insister sur cette question de participation parce qu'au sein du mouvement international ATD Quart Monde, nous parlons du croisement des savoirs. C'est cette manière de faire, c'est cette manière de pratiquer, c'est cette manière d'imaginer la société avec la contribution de tout un chacun, avec la contribution des professionnels, des personnes qui sont en contact souvent avec des bénéficiaires, avec des personnes qui vivent dans des conditions difficiles de la vie, mais aussi cette contribution, ces savoirs que l'on tire de la vie quotidienne que détiennent les familles qui vivent en situation de pauvreté, c'est important aussi d'en tenir compte. Donc, c'est vraiment à un moment donné, lorsqu'il y a ces mélanges, cette rencontre entre les professionnels, les gouvernants, les personnes qui vivent en situation de pauvreté, pour constituer ensemble une équipe, que l'on va mettre en place des projets intéressants qui vont répondre de façon adéquate aux préoccupations, aux problèmes qui préoccupent notre société. Voilà, nous disons merci beaucoup et vraiment merci de nous avoir permis d'échanger, de participer et d'écouter les autres à travers ces assises. Thank you very much. And Cécile, then we'll go to Ambassador Sec. Merci. Alors, je partage totalement ce qui vient d'être dit par les deux intervenants précédents, mais pour compléter, je voulais faire remarquer que faire avec, c'est faire avec tout le monde, faire avec les bénéficiaires, mais faire avec les politiques, le législateur, et faire avec les personnes qui sont chargées de mettre en œuvre les politiques publiques. Voilà. Et quand on a un phénomène dont la cause est systémique, bien souvent, on s'aperçoit que le système, il est maltraitant à la fois pour les bénéficiaires, mais aussi pour les personnes qui sont en charge d'appliquer le système. Et on voit bien en France qu'il y a un malaise, un mal-être chez les personnes qui travaillent pour les caisses d'allocation familiale, pour Pôle emploi, pour la sécurité sociale. Donc, effectivement, il faut mettre tout le monde autour de la table pour penser la manière de faire. Et il se trouve qu'en France, ATD Quart Monde France a développé des formations dans certains instituts de formation pour les fonctionnaires. Donc, c'est des formations qui réunissent vraiment les bénéficiaires, les personnes en situation de vulnérabilité ou de grande pauvreté et les futurs administrateurs, les futurs fonctionnaires. Et c'est ce dialogue qui va permettre ensuite d'avoir une meilleure mise en œuvre de la politique sociale. Et comme c'était aussi sous-entendu dans la question, effectivement, je crois qu'il faut aujourd'hui revaloriser à la fois en termes sans doute financiers, en termes de rémunération, mais aussi en termes d'appréciation. Il faut revaloriser les métiers de la solidarité et les métiers du care parce que c'est remettre l'humain au centre de la politique sociale et remettre l'humain au centre de la société. Voilà, donc moi aussi, je voudrais vraiment vous remercier tous pour la qualité des échanges. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai appris pas mal de choses qui vont nourrir la réflexion de la commission dans le futur. Et encore un grand merci aux co-organisateurs de nous avoir invités. Thank you very much, Ambassador Sack. Merci Todd, merci pour ces échanges. Je félicite vraiment tous les intervenants, ATD, car monde également, vraiment pour vos interventions pertinentes. Et je pense que l'idée tout simplement, c'est que nous devons tous continuer à grandir en humanité pour faire grandir en dignité non semblable. Nous sommes dans le cadre d'un processus, d'une marche vers un idéal. Cette marche n'est pas une marche facile, mais en travaillant en synergie, gouvernement, société civile, hein, les institutions des droits de l'homme, nous pourrons faire en sorte que
les personnes que nous voulons servir puissent se retrouver dans cet idéal-là. Et que chaque jour, nous allons faire des avancées dans cette marche. Nous observerons peut-être des reculades hein, dans certains pays. Ça peut être partout dans le monde, mais l'essentiel, c'est qu'avec le travail que nous faisons en synergie, nous pourrons constater avec des rapports spéciaux, avec ces rapports, les résultats qu'il va nous présenter, qu'il y a des avancées décisives qui vont servir d'exemple dans d'autres pays. Je pense que c'est l'essentiel qu'on puisse montrer les bonnes pratiques partout dans le monde et que d'autres pays puissent s'en référer pour que cette marche-là vers cet idéal puisse se dérouler dans la plus grande satisfaction de nous, ce que nous voulons, c'est-à-dire grandir en humanité pour faire grandir en dignité la personne humaine. Merci beaucoup. Merci, Ambassador. À vous, Olivier. Thank you very much, Todd. Very briefly to conclude. First, thank you to Antoine Rode for his question. Odenor, which is the research team which he is leading, is doing a fantastic work on non-take-up of rights in France and abroad. I think that should be really paid homage to. On the question he raises, I think we have to realize that social workers, public services, are actually victims of a system in which legislation is incredibly complex, fast-changing, making it very difficult for them to give appropriate advice, and sometimes contradictory. We had recently an event with ATD Fourth World around the Revenu de Solidarité Active, the minimum income scheme in France. And one person in poverty was telling us she has a car. And on the one hand, she was receiving the advice that she should sell the car in order to be able to continue to receive the minimum income scheme because she had to liquidate her assets. On the other hand, she was told, no, she should keep the car because that is one way she can be able to travel to work if indeed there is a work opportunity that shows up. And so these contradictions put social workers in a very difficult condition and they are caught between their duty and expectation that they will provide aid and on the other hand, the discourse about reducing costs, about not being too generous, avoiding including people in the schemes that might not be worthy of being supported. And that tension is one that creates lots of suffering and makes their work particularly difficult. So I thank Antoine for emphasizing this. Let me close by thanking my team for the superb support they provide me. And let me thank you, Todd, for leading this discussion so well and allowing us to go over time. I think it was extremely rich and dense. We all learned a lot. It's the model of what we should do in order to make progress towards social protection. Thank you. Well, thank you, Olivier. And I want to thank all the participants. It's been a very active, you can see on the chat, the level of activity. And I want to thank the panelists. I know it's a lot for everyone to prepare and to do what they need to do, but I really do want to thank everyone, the panelists, for their interventions today and more for their work, because I think each and every one of you is contributing in one way to improving the situation and to increase the level of respect for human rights that we see in the world. So with that, I want to thank everyone and have a good rest of the day. Merci beaucoup à tous. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci tout. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt surtout. Merci.